Voici le siège WeRide tel qu'il vous est livré dans sa boîte. À l'intérieur, la barre de fixation. Le repose-tête. Le siège lui-même. Et enfin la notice de montage, ainsi que les outils de montage. En détail, la barre de fixation de votre siège WeRide. Barre de fixation qui permet de monter votre siège WeRide sur tout type de vélo, VTT, VTC, vélo de ville, homme ou femme. Tout d'abord car cette barre de fixation est ajustable en longueur. Ensuite, car la fixation se fait à l'arrière autour du tube de selle, qui est standard dans sa forme et dans sa dimension. Et enfin, car à l'avant, la barre vient se fixer autour de la colonne de direction, avec un design très très fin et très ingénieux, qui permet de venir atteindre même les cadres où cela semble quasiment impossible. Le système de collier vient ensuite se serrer autour de cette colonne de direction. Voici un exemple de montage de votre siège WeRide sur un VTT haut de gamme à suspension avant et arrière. La barre vient se monter comme ceci autour de la colonne de direction. La barre se monte sur le cadre de la manière suivante. D'abord à l'avant, où elle vient se glisser comme ceci. Le chapeau avant vient se monter comme cela. Et ensuite, on vient y serrer les deux vis. En utilisant la clé à Allen de 5 mm livrée avec le siège. À l'arrière, on va venir allonger la barre de façon à ce que le système de fixation vienne autour du tube de selle. Puis, on vient mettre le capuchon arrière et enfin on va mettre les écrous de façon à solidifier cette fixation autour du tube de selle. Une fois que la barre est installée sur le cadre, on doit s'assurer du serrage de chaque vis. À l'avant, à l'arrière, ainsi que la vis d'ajustement de réglage de la longueur de barre. Assemblage du repose-tête sur le siège. On procède ainsi. On soulève le coussin. Le repose-tête vient se glisser au moyen des deux ergots comme ceci. Et ensuite, on visse la vis à l'aide de la clé livrée avec votre WeRide.
Enfin, le montage du siège sur le vélo, c'est très simple. Il vient se glisser sur la barre. Et ensuite, on vient y mettre la molette qui le fixe solidement et rigidement sur votre vélo. Et voilà, c'est parti !